Hey, yep, tout le monde, et bienvenue pour du LP. J'espère que vous allez bien tranquillement se retrouver pour le LP. Mais oh là là, y a plein partout de comment ça s'appelle? Des chiffres et des lettres. Oui, des chiffres et des lettres. Vous savez le truc, console, voyelle, multiplicateur. Non, je plaisante. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement parce que maintenant vous avez une résolution de 4K. Officiellement, 4K en GTX 1070, hein, quand même. On va tester la 4K. Je sais que pas mal d'entre vous ne pourront pas regarder en 4K parce qu'ils n'ont pas la fibre. Mais disons que j'ai envie d'en profiter histoire de voir un petit peu ce que ça donne réellement 4K 60 FPS. C'est quand même pas rien. Voilà. Du coup, c'est assez gros, hein. Vous pouvez voir que c'est vraiment très gros. On voit les trucs en très gros relief, hein. Donc, pour ceux qui sont sur tablette, ça va être cool. Vous allez avoir du 240p ou 720 en très très bonne qualité. Donc j'espère en tout cas que ça devrait aller. Je suis parti jusqu'où moi? Ah ouais, je suis que l'exploitation ici. Avec le petit truc là dans. Voilà. Donc, on va continuer. Donc moi j'ai été chercher du Certus. Le chargeur de Certus, hein, j'en ai trouvé. Je suis content. J'ai fait des flux. J'ai fait le chargeur, l'Energy Acceptor, des quartz suivants, etc. Le hic étant que Apply, comme il est en version alpha, ne prend pas pour l'instant la version Mechanism. Ils ne sont pas compatibles entre eux. Quand je les pose, ils se connectent, c'est très bien, ça, il n'y a aucun souci. Cependant, votre chargeur ne charge pas. Voilà. Votre Apply, là, ne fonctionne absolument pas. Il ne charge absolument pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que. Alors, je vais vous montrer pourquoi ça marche pas et que ici ça marche bien. Ça connecte ici, pouf, et vous pouvez voir qu'il se charge. Donc rien que ça, sur Wayla, vous voyez qu'il a déjà chargé. Donc, ce que je vais faire, c'est que le solar panel, je vais le déplacer. Pourquoi? Puisque j'ai envie de mettre Apply dans le coin. Et du coup, pour avoir un accès plus facile, d'ailleurs, je vais voir si ça marche. Ah, c'est considéré comme un heat generator. What the fuck? Oh. Alors c'est compté comme un heat generator. Ah bon? Ouais, bah en même temps ça capture une lumière du soleil, ouais. C'est vrai que d'un côté c'est pas si con que ça en fait, mais ouais, c'est assez bizarre, moi qui pensais que non, pas du tout en fait. Donc ce que je vais faire, bah je vais prendre les capaciteurs ici et je vais les déplacer. Faut bien que je les déplace, hein. Voilà. Alors, il n'y a pas une méthode pour le casser. Je crois pas. Je ne suis pas sûr, mais je crois pas qu'il y ait une méthode pour le casser. Plus facilement, en fait, c'est ça que je voudrais dire. Après, c'est possible hein, qu'il y ait une méthode, mais personnellement, je la connais pas plus que ça pour l'instant. Je voudrais bien que Logistic Pipe, maintenant, se bouge le tartanfion pour sortir, parce que Logistic Pipe, par rapport à Applied, j'aime bien Logistic Pipe, les items qui traversent, ce genre de choses. Je trouve ça vraiment magnifique pour moi. Le hic étant que bah il n'y a que ce mode-là qu'on voit les items traverser les blocs comme on veut, etc. Applied le fait pas, tout est dans des câbles info. Donc, bah, comme la vraie vie, quoi, hein. Vous demandez une donnée, ça part dans des câbles informatiques. Ça, c'est pas trop le souci, c'est juste que. Ah là, on voit pas plus de choses que ça, donc c'est un petit peu dommage. Franchement, c'est un peu dommage. Bon, après, ça plaît pas. Mais je préfère voir du mécanisme que. Comment? Du Pepper, là, du Logistic Pipe qu'autre chose. Bon, alors du coup, ce que je vais faire, je vais mettre du Applied par ici, donc ça je vais le virer. Alors, c'est pas mal le Wayla, mais ça bouffe quand même une bonne partie de l'écran. Bon, bien sûr, le GUI, je pourrais le virer. Oh, il y a du vert. Je pourrais le virer, ça c'est pas trop un problème. Ah ouais, ça par contre, c'est un gros problème. En fait, la taille du GUI est tellement grosse que j'ai du mal à voir. Donc c'est un petit peu problématique. Mais juste un peu. Donc attendez, je vais modifier tout ça. Eh nia! Il est tout petit. Normal, large. Ouais, je vais le mettre en large.
Oh putain. Alors, on voyait bien l'obsidienne, maintenant on voit plus rien. Il n'y a pas une intermédiaire pour le 4K. Parce que large, il n'y a pas le GUI scroll extra large. Non, parce qu'en mode auto, c'est pas que, mais on voit tout. Hein. On voit tout. Bon, je vais le laisser, je vais voir sur le net s'il n'y a pas un mode, on va dire, semi-large. C'est pas vraiment semi-large, mais voilà. Donc, ce que je vais faire. Hop, sachant qu'il va pas tout prendre non plus, le pépère. 3, 4, 5. Voilà, je vais le foutre là. Je sais que le solar se met là et lui se met autour. Voilà. Voilà. Ah ben non! Ah bah non, je l'ai pété! Ah, je l'ai pété! Ah, le con! Voilà, normalement, j'ai tout posé. Ouais, forcément, je l'ai mis du mauvais côté. Hein. Hop. Alors, ça, c'est chiant. Voilà. Donc, énergie acceptor. Sur le côté. Comme ça, on voit tout de suite qu'il sort l'énergie directement. Je vais pouvoir foutre le chargeur dessus. Hop. Faudrait que je remette un peu de terre ici. De la terre. J'aurais pas de la terre. Ah oui, et puis je suis un peu malade aussi. Donc j'ai une rhinopharyngite aiguë. Voilà. Ah, il y a une chose que je voudrais aussi dire, parce que par rapport à l'épisode dernier, en fait, je vais l'effacer pour moi. Il y en a beaucoup qui me disent pourquoi tu bailles tout le temps, va te reposer ou autre. Bah, je voudrais bien, je me repose continuellement. Hein? Bon, tous les jours, quoi. Putain, j'arrive plus à trouver le mot. Quotidiennement. Voilà, quotidiennement. Repose tous les jours, hein, donc largement ce qu'il faut. Même plus de 10 heures par jour s'il le faut, mais voilà, je ne peux pas faire plus, j'ai une maladie. C'est difficile pour moi déjà d'allier un petit peu le boulot. Parce qu'en live, je peux bailler, je peux muter. En record, je ne peux pas forcément toujours muter. Parce que comme je suis en plein écran, surtout en 4K là, j'ai pas la touche pause. Donc je peux pas bailler et faire ce qu'il faut. Voilà, forcément, il faut que je baille. Ouais. Donc, je m'en excuse d'avance pour ceux qui penseraient que je le fais exprès, mais ce n'est pas du tout mon cas, et malheureusement, bah, c'est une maladie, je peux pas faire grand-chose. Des médecins hein, ont essayé de trouver un petit peu ce que j'ai. Je fais de l'apnée du sommeil, mais j'ai pas de remède pour moi, donc du coup, bah, je suis obligé de vivre avec. Hein. C'est juste que je suis arrivé dans les records nationaux, hein, forcément, je fais quasiment 24 apnées du sommeil par heure, donc c'est égal à environ 24 minutes d'apnée. En fait, l'apnée, c'est que je respire plus, donc on peut dire que par heure, en fait, je respire plus pendant 24 minutes. C'est assez énorme, c'est même très dangereux, mais pour l'instant, il n'y a aucun médecin qui peut faire quelque chose. Donc j'irai me renseigner par rapport à d'autres médecins s'ils peuvent... voir les choses. Après, voilà. Au niveau de ma chie, sinon, c'est toujours la grosse merde. Hein. Pour ceux qui m'ont vu à PGW, c'est assez merdique. Il faut dire ce qui est, c'est assez merdique. Et ça, bah, malheureusement, je peux guère faire autrement. Il faut que je m'assoie souvent. Je sens plus trop mes jambes, mais bon. Disons que, voilà, je vais voir un neurologue prochainement. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant. Hein. Même si c'est un reste un peu de la partie privée, au moins que vous soyez au courant de ce que j'ai. J'ai toujours été proche de ma commu et je resterai malgré, même si par exemple j'atteins les 100 000 ou voire plus. Hein. Moi je garde toujours un côté, va pas dire, si je garde un côté privilégié quand même avec mes abos, c'est quand même eux qui m'ont fait que j'arrive à me faire connaître et autres. Donc ça, je trouve ça magnifique. Donc c'est pour ça que je vous rends l'appareil de... faire des vidéos, même si je suis pas dans les meilleures qualités santé possible. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je sais plus. Voilà, donc on va se faire du petit applied, hein, c'est cool. Oh, putain, j'avais tout sur une page avant, maintenant j'ai tout en demi-page. on va... Oh, non, pas les inscribeurs, s'il vous plaît. On va se faire des inscribeurs. Alors, les inscribeurs, c'est un truc très très chiant. Voilà. Combien je fais d'inscribeurs? Le gold, le diamant. Le silicone, le pur, l'entier. 5, donc ça en fait 10. Voilà. De la cobble. Alors ça par contre, la cobble... Ah si, c'est bon. Ah, je pensais que la cobble, c'était pas mon dada, mais... Si, en fait, j'ai un petit peu tout. Merci d'avoir été miné, en fait. Voilà, donc je vais avoir ce qu'il faut. Hop. Vu que c'est des sticky pistons. Je sais pas si c'est des sticky. Ah bah si, c'est des sticky. J'ai pas les bouboules bleues. Ah oh, si, j'ai les bouboules bleues. Les bouboules bleues, c'est la vie. Hop là. J'ai des sticky. Alors, du coup, il me faut du fer. Et du coup, il me faut les 5 là. Hop. Et hop. Ah oui, il y a un flux. Voilà. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je mets 5 inscribeurs. C'est magnifique. Cependant, j'ai pas trouvé de... Tiens, d'ailleurs, de météorite en parlant de ça. Parce que ça serait bien quand même de trouver une petite météorite dans le coin qui permettrait de... Comment dire? De pouvoir faire des belles choses. Parce que ça, c'est bien beau, mais me faudrait quelque chose. D'accord? Le quartz fiber, d'ailleurs. Ah ouais, c'est comme ça. Oh oui, ça n'a pas changé, en fait. Ah oui, c'est que ça en fait 4 à chaque fois. Ouais, Flux Energy Connection. Wouhou! Inscribeur. Alors, les inscribeurs, par contre, j'ai un... pour l'instant, je vais le faire en mode YOLO, l'inscribeur. Parce que... j'ai pas tout ce qu'il faut. Et j'ai pas tout ce qu'il faut. Ouais, j'ai pas trouvé mieux. Bam. Bam, bam, bam. Oui! C'est connecté. Bon, des flux. J'ai pas un... J'ai pas de la laine. Parce que c'est bien de voir des flux comme ça, mais je trouve ça moche. Ah, il faudrait aussi que je fasse un truc à mouton. Ah, si, j'ai de la laine. Ah, si, ça, c'est cool. Faudrait aussi que je me fasse la wrench. Parce que la wrench, bah c'est cool. Alors, j'ai les smart. Pas les smart, les covers. Les covers sont beaux. Je préfère largement les smart. Sauf que là, pour l'instant, c'est juste de la connexion pure et simple d'énergie. Donc, du coup, je m'en tape un peu. Sachant que c'est connecté directement via un câble pour de l'énergie. Hop, c'est magnifique. C'est lui qui génère tout. Et puis, j'ai un solar panel et YOLO, hein. Donc, bah ça c'est cool. Derrière, je vais foutre des choses. C'est en fait pourquoi derrière? Derrière, en fait, je vais mettre des hoppers. Ça va me permettre de d'automatiser un petit peu tout ça facilement. Je sais pas pourquoi il m'en a fait un. On fait 3. 4. Bon, faudrait un cinquième par contre. Hop là. J'ai un cinquième. Hop, je fais un petit pont, pouf, pouf, pour faire des hoppers. C'est magnifique, c'est magnifique. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour être facile d'utilisation, en fait. Hop, voilà. Pour éviter qu'il y ait des mobs dessus, éventuellement, ou pas du tout, je vous conseille d'utiliser des slabs. Voilà, ça vous permet tout simplement d'éviter que des items rentrent dedans par accident. Voilà. Ça, c'est cool. Et en même temps, vous avez un accès. Vous pouvez mettre des items frais dessus pour dire que si, ici, bah, par exemple, c'est le silicone, à côté, c'est la redstone, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, bah, ceci étant fait, c'est magnifique. Il va falloir quand même que j'aille chercher ce qu'il faut, moi. Parce que, bah, il me manque un petit peu de choses. Hein, faut dire ce qui est.
C'est clair que je voudrais bien faire Tinker, parce que Tinker, ça me permettra de mettre du speed dessus, comparé à fortune de base. Comment je pourrais utiliser ça? Parce que ça, c'est la Skystone. La Skystone là, en fait, me permet de faire des chests, oui, c'est cool. Et voilà, me permet de faire ça, en fait. Et ça me permet de faire un ME contrôleur. Voilà, bon, vous connaissez les bails. Cependant, une météorite, je n'en ai pas vu depuis un bon moment. Même pas vu du tout, hein, il faut dire ce qui est. Et du coup, je voudrais bien quand même partir un petit peu à ça. Oui! Salut Moutmout! Alors, chercher une météorite dans tout le tas, là, c'est pas forcément le plus évident. Puisque la météorite de base, il faudrait que je désactive la putain de Mossy Stone là, parce que avec l'eau quand il pleut, bah du coup ça fout la merde. Donc c'est pas forcément super cool, malgré que voilà. Après, j'ai du sel ici. Faudrait qu'on se fasse. Après Apply, on va se faire un petit truc à RevTools. Une fois que j'aurai trouvé en fait les. J'allais dire les graines, mais c'est pas les graines. La météorite. Ah, j'aurais dû me faire un compas. Ah, le con. Ça a chargé des 4 fers. Oh, ça va. Je vais me prendre une bûche, je vais me faire une table de craft et puis l'eau. Alors, je sais pas pourquoi, depuis quelques temps, le serveur lag alors que il n'y a pas de raison qu'il lag. Voilà, météorite. Alors pour l'instant, il me dit qu'il y en a une par là-bas. Alors la météorite là fait en sorte que vous pouvez en fait la trouver. Voilà. Forcément. Ah bah oui. Ça merde un peu en fait. Du fait qu'il y a l'autre barre juste devant. En fait, faudrait qu'on arrive à la choper facilement. Ah, canne à sucre. Canne à sucre, je vais prendre parce que c'est pas ce que j'ai le plus. Surtout si je dois faire du papier. Le marais, c'est quand même. Allô, oui? Service d'étage. Voilà. Alors, il me dit quand même qu'elle est assez loin. Ah, cette rhino, hein. Elle est en voie de guérison, mais alors, qu'est-ce qu'elle est chiante. Très clairement. Je voudrais bien quand même essayer de la trouver facilement. Ah. Non. Ah, je sais pas, elle m'a fait un mode YOLO. Allô, oui, service d'étage. Oula. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait dans les configs? Alors, j'ai fait quelque chose dans les configs. Pourquoi des fois elle merde complètement la boussole? Allez, voilà. Bon, c'est pas mieux ici en fait. En fait, ça doit générer un terrain derrière qui doit être assez chiant. Bon, en tout cas, c'est beau, hein. Il faut dire ce qui est, c'est quand même beau. Ah, on va dire que c'est par là. Ah bah oui, je la vois sur la map, c'est pour ça que ça laguait. La voyez pas sur la map, il y a un énorme cratère qui s'est forgé sur la maison. Dommage qu'on les voit pas descendre en fait, on les voit pas atterrir les. C'est quoi, c'est de l'art de Netley, là? Ah ouais, c'est de la science. Oh, salut.
Normalement, la maison aurait dû être pétée, hein, aurait dû. Là, il s'avère que non. Alors déjà, dis-moi que ça... Ah oui, c'est invistable, mais c'est vachement lent. Par contre, j'ai pas l'ID de Ast. Ça m'aurait arrangé, histoire de le mettre un petit bout de temps. Alors, il y a un chest en bas, ça se voit pas du tout. Et en plus, il m'en faut 4 minimum pour pouvoir faire ce qu'il faut. Voilà. Bonjour, service d'étage. Alors maintenant, c'est opération aller chercher le fameux chest qui va nous permettre, en fait, tout simplement, de pouvoir commencer. J'espère qu'il y aura au moins le silicone et le gold. C'est la base. Ah bah voilà. Logique, calculation, engineering. Ah bah voilà. Ah ouais, mais j'ai pas le silicone en fait. Ah fuck you. Oh, oh c'est pute. Je peux pas. Non? Non, je sais pas, mais je dis ça comme ça, moi, surtout. Non, histoire de... Non? Cold chunk. Waouh! Ah, lightning. Ok. Bah, c'est bien beau. Ni 3, il m'en faut un quatrième. C'est bien beau, c'est pas ça le problème. Mais en tout cas, j'ai engineering. Engineering, c'est pour le diamant. Logique, c'est pour le gold. Voilà. Et le calculation, c'est pour les purs. Voilà. Il me manque la silicone. Et forcément, la cocotte me dit, je tourne en rond. Alors, moi, si tu veux de l'obsidienne, tu viendras ici. Bon, c'est un peu loin de chez nous, hein, 500 blocs. Donc c'est pas forcément cool d'avoir ce qu'il faut là. Ah oui, au fait, alors aujourd'hui je crois qu'il y a un épisode qui sort à 17h. Il y a un épisode qui sort. Ça doit être le mode Pacozone avec Wutan. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, ouah, c'est quand même beau, hein. Oh, une roquille! Ah, une roquille! Ah, c'est magnifique! Les roquilles sont rares d'être à... rares d'être dehors, en fait. Ah, d'accord, il a déjà bouffé le truc. Mais... Il est morphal, le petit. Hein. Le petit Steve, il est très morphal. Alors, il faut aller à un autre endroit. J'espère qu'il y en aura une qui sera générée pas très loin d'ici. Eh, merci pour vos œufs, au fait. Hein. C'est un peu le bordel. Je l'avouerai que c'est un petit peu le bordel. Alors, lui, il monte toujours derrière, forcément. Ce qui est tout à fait normal. Mais... Alors, ça va être un épisode très long. Oh putain, 18 Go le fichier. Ouah! Heureusement que je l'upload, hein. Heureusement, j'ai une très grosse vue. Ah, ça c'est cool. Il m'en a indiqué une autre. Ça veut dire qu'elle n'est pas très loin. Enfin, j'espère. Hé, le cochon, t'aurais pas vu une météorite? Non, tu t'en bats les steaks. Ok. Ah. Ça se voit qu'elle est tombée. Hein, ça se voit pas du tout. Ah là, elle est dans le coin. J'ai l'impression qu'avec le compas, en fait, ça permet d'accélérer les chutes de météorites. Je ne suis pas sûr de mon coup, mais... Voilà, en plein dessus, ça se voit pas du tout. Ok. Alors celle-ci est grosse, hein. Alors, si j'avais les Rev Tools, je t'aurais dit on va miner.
Oui, bonjour. Alors, je serais partant pour miner sur celle-là. Alors, ça va être très long. Mais c'est pas très grave. Si vous voulez du contenu sur le LP, on va en foutre. J'ai pas du haste. Ouais, vas-y, attends. On va se faire un petit gif de bottle, là. Hop. Juste pour que ça soit moins chiant pour vous. Non? Voilà. Alors, c'est déjà un peu mieux. J'aurais bien voulu un S4. Histoire 2. Bon, c'est vrai que S2, ça va quand même un petit pas plus vite. Il faut dire ce qui est, ça va quand même beaucoup plus vite. Bon, c'est toujours aussi lent. Hein. Je vous l'accorde que c'est toujours aussi lent. Mais c'est cool. Voilà. Puis des fois, je sens même plus mes mains. Ah là 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 là. Bon, en tout cas, j'espère que en tout cas ça vous plaît. Tranquillement. J'essaie de quand même faire au mieux d'avoir un bon contenu. Même si je reste dans le modé. Ou que je commence à faire du Farming Simulator et on me dit tu es très nul à ça, tu devrais pas. Fuck, hein, j'apprends avec vous. Si tu veux me donner des conseils, tu me donnes des aucun souci. Par contre, si tu me dis que t'es une merde et tu devrais jouer à autre chose, je t'emmerde. Voilà. Oh, moi je suis clair. Hein. Oh, mais, oh, hein? Tu me donnes des conseils, bah, tu me donnes des conseils pour mieux m'évoluer, même si j'ai un bon professeur, monsieur Ethan. Et je lui ai dit qu'on fera des épisodes ensemble. Parce que vous le voulez aussi, monsieur Eton. Et bah, du coup, vous allez l'avoir. Bon, tu veux me donner mon chest, toi? Merci la potion, mais quand même. Allez. Putain, mais. Eh, je vais faire toute la map, moi. Il faudrait que je vire l'harvesting et machin, je pense. Je sais pas, vous en pensez quoi du 4K? Pour ceux qui peuvent avoir le 4K, dites-moi. Ah, salut! Silicone! Ah bah voilà! Oh, c'est quoi? Du lead. Tiens! Voilà. Silicone! Eh bah c'est bon, on peut rentrer les gens! C'est magnifique, j'en ai combien? 30, il m'en faudrait 2 de plus. Rien que 2 de plus. Voilà, hop. Voilà, je l'ai jeté, hein, parce que YOLO. Il m'en faudrait en fait 2 de plus et je pourrais faire 6 x 4, 24, 6 x 6, 36, 5 x 4, 20. Putain, je m'en rappelle jamais. 8, 8 x 4, 32, voilà. Pourrait faire 8 ME contrôleurs. Bon, c'est un de plus, théoriquement, mais c'est quand même sympa. On est à 500 blocs et pour aller plus vite avec vous. Merde, il est où? Show mob. Waypoint. Ah oui, c'est pas mal ça. Ouais, j'ai l'habitude que tout soit sur un point précis. Donc c'est quand même cool. Alors, du coup, silicone. Silicone, on va le foutre là. Moi, j'ai l'habitude de mettre du logique, ensuite du engineering, puis du calculation, et ensuite le bas à la fin, c'est pour tout ce qui est redstone, compilation générale. Hop, l'ISO avec. Hein. De toute façon, tout ça sera arrivé dans un chest très prochainement. Donc, ça va être grandiose. Comment avoir du silicone? Parce que le silicone, c'est bien beau, mais il m'en faut. Silicone, silicone, faire cuire du quartz. Ça, tu vois, j'aime bien. Crushing, infusing, ça. On met. Oh, du silicone! Alors, c'est du mode Refine Storage. Hein. Normal. Mais je l'ai gardé en fait le mode là. Parce que ça peut permettre, avec quelques crafts très sympas, de pouvoir faire des belles choses. Voilà. Donc, silicone. Ah oui, c'est un par un, donc c'est pour ça qu'il y a le truc derrière. Du gold, du diamant.
Voilà, comme ça, tout se fait tranquillement. Je suis plutôt content. La redstone. Alors, la redstone, je sais quand je dois mettre un autre hopper ici. C'est tout simplement pour la redstone. Parce qu'il faut bien qu'elle aille quelque part, donc du coup, je vais la mettre sur le côté. Bon, bien sûr, par la suite, ça sera... voilà. Comme ça, ça se met directement là. Et ensuite, vous avez juste à prendre votre silicone, par exemple, de l'or, hop, et vous faites ça. Et ça processe, ça processe, ça processe pour obtenir notre premier truc. Alors, crafting terminal. Voilà. Bon, bien sûr, tu, par exemple, tu peux mettre ça et ça. Normalement, ça doit prendre les deux, je ne suis pas sûr. Oh, ça prend pas les deux. Ouais, forcément, il y en a un qui est en dessous et il y en a un qui est au-dessus. Donc, ouais, par rapport au dernier, en fait, c'est au-dessus qu'il faut le placer. Voilà. Bon, c'est pas très grave, au pire, hein, on a tout ce qu'il faut. Oh, et putain, il faut une calculation. Oh, les shit. Je déteste le calculation. Le calculation, c'est pour moi, c'est le truc le plus chiant. Voilà. Voilà. Alors, on va faire au moins un petit terminal, histoire de tout mettre en place. Il faut un cap comme ça, maintenant. Alors, quartz, de l'eau, redstone... j'aurais foutu une petite table là. Quartz. Bah, de toute façon, j'ai pas la de l'eau. Glow, redstone. Bah voilà. J'ai la de l'eau. J'ai la redstone. J'ai le quartz. Et je le fer. Voilà. Eminated panel. Ensuite, il me faut la formation. Donc, il me faut un certus, un flux. Un certus, un flux et un machin. Formation corps. Il me faut ceci. Donc, c'est un quartz tout à fait banal. Un flux, je crois. Ouais, un flux obligatoirement en poudre. Vas-y, fais ton petit truc. Voilà, c'est magnifique. Donc, tac. Ceci, le quartz. Annihilation. Ensuite, il me faut un logic processeur ici. Là. 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 J'ai un ME terminal. Magnifique. D'ailleurs, au niveau des achievements. Ah, c'est crafting machin. Ok, il me faut un groove chamber. Alors, les groove chambers, c'est le truc le plus chiant. Il me faut des drives. Je préfère celui-là, perso. 29. Allez. Voilà, 29 aussi. Alors, du coup... on a dit ça plus ça. De toute façon, il m'en faut deux comme ça. Donc, on va en foutre deux. Pourquoi? Parce que comme ça, j'aurais pu avoir un drive. Et du coup, être tranquille. Puis au niveau de la redstone, on a ce qu'il faut. Au pire, on en rajoutera. Donc, on a ça. Ensuite, on va aller ici. On va en prendre quatre comme ça. On va en prendre deux comme ça. Ou comme ça. Les procos. On a notre drive. Qu'on place là. Maintenant, il me faut un 1K. 1K, c'est quoi? C'est... Ah, j'allais me dire, c'est du certus chargé ou... Ah, certus normal. Ouais, j'allais me dire, ça commence à être cher. J'ai un 1K. Du coup, il me faut... deux comme ça, un comme ça. Certus. Et, le dernier truc, le 1K. Ah non, c'est de la redstone. Et j'ai mis un K. Ouh. Pourquoi je peux pas cliquer? Voilà.
Donc, bah ça c'est cool. Maintenant pour ça, bah le truc étant que il me faut un crafting terminal, il me faut un pur et le pur se fait des seeds dans une water, une process faster, un crystal growth accelerator. Ok, donc il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de flux. Mais avant de faire du flux à gogo, parce que je déteste le flux à gogo. En plus, il n'y a, y a pas le AE de stuff. Il n'y a pas le mode AE de stuff. Donc, du coup, je suis un petit peu largué. Parce que c'est le truc, quand même, le plus sympa, en fait. AE de stuff, pour moi, c'est cool. Franchement, c'est cool. Moi, je vais passer au câble smart. Voilà. Pourquoi? Parce que je trouve ça magnifiquement bien. Et. Pouf! Oh! Voilà. Alors du coup, bah dedans, on va pouvoir mettre des petits trucs tout sympas, mytho mignon. Ouah. On a 23 équipements déjà. Je sais pas si tout va tenir personnellement. Au pire, j'en referai, hein. On a 45 là déjà. Ça risque d'être très, très juste. On a déjà tout ce qu'il faut. Donc il me faut un autre 1K. Un autre 1K, c'est cool, c'est du Certus. Voilà. Ah. Un K. Certus. Logique. Redstone. Voilà. Et lui, il me faut le quartz. Voilà. Il me faut de la redstone. Magnifiquement bien. Alors, il m'en faut 4. Ah oui, c'est vrai qu'il ne fonctionne pas comme ça. 4 et la 3. Voilà. Et normalement, on va pouvoir se terminer là-dessus. Un K, il me faut du fer. Voilà. 3. 2. 1. Et 0. Voilà. J'ai un autre 1K. Pouvoir le mettre là-dedans. Et pouvoir mettre les éléments suivants. Oui. Voilà. L'avantage, je peux faire Shift-Click pour ça. On va dire que c'est plutôt un bon point, le Shift-Click. Pas le Shift-Click, le Shift. Ah si, Shift-Click glisser en fait. Je trouve ça magnifiquement bien. Et du coup, on a tout dans un beau truc. On va péter ça. Je vais foutre une dalle au-dessus parce que s'il neige, ça va me glacer le truc. Et ça me serait un petit peu con que ça glace. Voilà. Bon allez, sur ce, les gens, je vais vous laisser. Donc on a fait Applied, hein, c'était vraiment cool, c'était sympa. J'espère que ça vous aura plu. Prochaine étape, faire les purs. ça va être très long, donc je vais le faire en off. Le groove, on a l'énergie qu'il faut, donc on s'en fout un peu. Et du coup, bah, je vous donne rendez-vous à la prochaine. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Hop. On va tout vider. Ah, le plaisir de tout vider quand même. Oui! Waouh! Ça, je vais le foutre là-haut. Là-dedans plutôt. Voilà. C'est quand même cool de pouvoir tout vider. Je crois pas qu'il se cuise. Lui, il se cuit. Le silver et le zinc. Par contre, l'uranium, non. L'uranium, il faut le taper à la main ou avec un autonomous, mais comme il n'y a pas de l'autonomous dans cette version. Ouah, la disquette est pleine. Bah du coup, je suis obligé de me démerder. Voilà. Bon allez, sur ce, bisous tout le monde. C'était Épée, j'espère que ça vous a plu. Likez, likez l'épisode pour ceux qui le veulent. Et puis du coup, je vous retrouve à une prochaine. Prochaine fois, on va faire RF Tools et comment on va aller au minage intensif.
Voilà, en plus on a l'énergie qu'il faut, donc on va être content. Et on va commencer à play, pas à play de Underio, parce qu'on va devoir avoir du, comme des Tesseract, mais version Underio. C'est plus cher, mais il y a une limitation, parce qu'il n'y a pas, comment, il n'y a pas le mode Thermal Expansion, voilà. Sur ce, bisous tout le monde, c'était P, à plus! Ah, qu'est-ce qui est beau, hein? Ah oui, c'est beau, attends. Puf. Alors avec ma côtelette, je le fais pas bien du tout. Voilà. Ah oh, bah c'est quand même beau, hein. Allez, à bisous.